Yo tout le monde, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette huitième vidéo de Rome de Total War dans laquelle on joue Massalia. Alors, on avait pris Malva, hein, bien que ce n'était pas l'objectif initial. Et on était en train d'essayer de prendre Ariminium qui devrait tomber le prochain tour, hein, dû au siège. Proposition d'alliance défensive contre avec Nervien. Ouais, laisse tomber, il me demande beaucoup trop. Ils se rendent pas compte de la différence de puissance. Donnez ce. Non. Non, ça m'intéresse pas. Leur donner un statut de client, c'est. Ce n'est pas intéressant. Hop, résolution automatique en mode équilibré. Voilà, je devrais avoir 13% de perte. À peu près. Ce qui est totalement raisonnable. Voilà, on voit que c'est plutôt sympa. On relâche les captifs. Et là, les gars, je voyais, mais au niveau argent, c'est fou. Oh, la Skitty dit. C'est bien. Ouais, on va ouvrir un échange commercial. Et eux, non. C'est un petit peu trop belliqueux à mon goût, les Germains. Voilà, Ligue étrusque est tombée. On va aller direction Patavium. De morale à remonter hein. Voilà, tacticien. Et c'est là qu'il va falloir trouver une proie. Déjà, premier point. Est-ce que eux ils s'entendent bien? C'est pas si pire. Les Suèves, je m'entends vraiment pas très très bien avec hein. Je vais faire remonter mes armées en direction du nord, hein, je pense. Ok. Ouais, voir quelles sont mes conditions de victoire avec Massilia. Faut que je m'étende sur le nord. J'aille en Britannia. Enfin, pour la victoire militaire, au moins. Pour la victoire économique. À peu près pareil, hein. On fera juste un peu d'argent. Contrôler un peu plus de terre et ça passera tout seul. Bon bah commencer la diplomatie hein. Déjà j'aimerais bien faire si possible. Il se passe. Oh, j'aurais aimé quoi. Ils veulent pas faire d'alliance défensive. Ils veulent pas non plus. Ah, je peux pas faire de. Ah ça m'énerve. J'aurais bien aimé faire un accord commercial, mais apparemment avec eux ce n'est pas possible. Ok, les Russes, Syracuse. Ok, bon. Est-ce que j'ai un endroit où j'ai un port militaire? Non, j'ai très peu d'accès à la mer, hein. C'est bête, mais c'est vraiment ballot. Donc je vais en faire un là. Ah bah, parfait. Même si, bon, c'est pas le meilleur emplacement hein, pour faire un port militaire. C'est là que ça m'embêtera, on va dire, le moins. Allez. Ici, on m'a dit que c'était culturel. Allez, on a fait le tour, c'est bon. Là, on a là une armée qui se monte. Ici,
s'ils viennent faire là, ils sont perdus encore. Et on remontera. On va remonter hein, là-bas. Prendre mes espions. Hop. On va leur dire d'aller traverser la Gaule. On a de l'argent, il faut s'en servir. Donc, premier point éducation, très important, comme d'hab. Hein, je vous le répéterai assez jamais. Jamais assez, pardon. Ouh, elle a quel âge? 26 ans? Ah oui, d'accord. Elle va pouvoir aussi, comme ça me coûte 4000, c'est raisonnable encore. C'est là où ça va commencer à être cher. On va s'arrêter là. On va s'arrêter pour ce tour. C'est où là? Ah, j'ai beaucoup d'enfants qui meurent. C'est dommage. Voilà, déjà on y voit un peu plus clair. D'accord, il est en direction du sud. Non. Oh la vache, il est en guerre contre beaucoup lui. Soif, éducation et progrès. Voilà, comme ça on développe nos technologies plus rapidement. On va essayer de subjuguer une partie apparemment. Ouais, allez. Oh bah même pas subjuguer hein. Ça devrait être bon en les prenant simplement. Voilà, oh, la belle armée là de d'onagre. C'est fou. Allez, on continue de monter, direction Noreya. Voilà, à la bien. Oh, j'adore. Allez, jette là, allez, on va y finir. J'aime pas. Un peu là, comme ça. Allez, résolution automatique, mode équilibré, c'est là où j'ai le moins de pertes. Et on relâche. En parlant de ça. Un petit puits de céréales. Bien, là le moral il va remonter, de toute façon il va faire que monter là, il y a de toute façon avec ce qu'on va faire ici, regardez plus 4 d'or de public, plus 10 d'or de public, plus futur autre 4, plus 4, enfin là le moral il sera pété hein. J'ai envie de dire. J'aurais cette armée là. Les négociants je vais les envoyer recruter. Ah, tu me saoules. Voilà. Leur dernière unité de cavalerie. J'ai totalement oublié. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai un général qui est sympa? Non. Enfin, champion, pardon. Voilà, un petit peu plus de commerce. On augmentera ses facultés de négoce un peu plus tardivement. 47 ans. T'as un niveau là, les gamins là, ils ont du mal. Hein. Ah, ça suit pas du tout, hein. J'aime pas ça. Allez, on fait monter. Là, on est bien. 1% dans le taux de recherche. 90% d'influence. Lui, on arrive à le garder en sous contrôle. Ça, c'est juste parfait. Hein. Les espions y montent. En plus, ça nous permet de découvrir d'autres civilisations, d'autres tribus, d'autres. On pourra peut-être ouvrir du commerce. Okay. Faction détruite qui les jette. Ah, ça fait bouffer par. Les Suèves, très bien. Hôtel d'Athéna. Ici, on est bien. On est bien. Ok.
Cette armée est-elle prête? Non. Pas encore. Lui est arrivé. Alors on va le calmer ici. Et les villes coyotes, on va pouvoir les remonter un petit peu. Voilà. Je suis pas en alliance avec Athènes. Si. Ah, je suis pas en accès militaire. Mince. Ouais, je suis en guerre contre les Colchides et les. Ah, wow, ils se tendent un peu. Les pontes qui prennent une dérouillée, j'ai l'impression. Est-ce que. Non, il y a encore quelques tours avant de pouvoir faire une belle flotte. Tous les tours, on va voir si on peut recruter un nouveau général. Bon. Parce que, en théorie, ce que je devrais faire, c'est tous les recruter et les dissoudre. Et ce que ça me fait, du coup, c'est que ça va me redonner un nouveau général par tour. Mais bon, je crois que j'ai un peu la flemme. Il est en guerre avec les Bruces. Ça, j'aime pas en vrai. Ouais, ça me donnera une bonne excuse pour débarquer un peu plus tard chez eux. Donc d'ailleurs, voilà, Suève, on décale les espions. Ok, je vais dire un d'aller là et je vais dire à l'autre d'aller ici. Voilà, ça prendra tant que ça prendra. Oh, il repasse par là, putain. Ah, je pensais pas qu'il allait passer autant dans le sud, quand même. Tacticien, voilà. Oh, il a pas la portée, zut, ça se voit pas grand chose. On est bien ou pas au niveau? Oui, ça va monter. Ouais, très très bien. Maintenant, allez, hôtel de Zeus et Gymnasia. Ouais, niveau moral, c'est parfait. Voilà, lui on lui retire le mode marche forcée. D'ailleurs, de toute façon, je lui dirais d'aller au Clos du Russe. Hein. Mais surtout, recruter cette petite unité de cavalerie manquante. Ouais, on va pas faire mieux. J'ai frondeur ou peltaste. Ça, j'ai pas. Ah, toi, tu vas direction Coria. Et là, on sera bien en vrai. Âgé. Parfait. On va pouvoir en faire des matriarches. Ça coûte cher. Ça coûte quand même 10 000, hein. Ça me coûte un PIB, hein. Vache. J'ai pas mal de d'alliés, voilà. Accès militaire chez les Marcomans, c'est parfait. On a besoin de factions détruites, les Cimbres, ok. Hop, toi, direction Coria. Ah, c'est bête, ça. Ouais, et toi, tu vas faire un forcing là, tu es arrivé là. Ah. Voilà. Pas de tour pour tout du russe. Là on est bien, là on est bien, là on est bien. C'est quoi la techno en cours déjà? Ah oui, toutes les technos de siège. Ah, Dacia. Bien. Ok. C'est un peu redondant là, les tours, mais eh ben, des fois c'est comme ça.
Ah, puis toujours pas adultes, il y en a. Oh là là, ils sont jeunes. Ils sont très jeunes. Allez, toi, je vais te. Je vais monter le niveau. J'ai plus d'argent. Ça y est, je suis vidé. 4000. Aïe, aïe. Qu'est-ce que. Ah non. Hors de question. Alors, c'est. Muli. Impossible, impossible. Allez en défensive, avec grand plaisir. Accord commercial. On va dire oui. Si nous déclarer la guerre, c'est leur problème. Et on va augmenter le commerce. Hein. Ah, techno de siège, on est bien. Toi. Voilà, tu vas y arriver. Il n'y en a pas une autre qui était en chemin quelque part? Ah oui. Oula, oui. Ça fait loin quand même. Ah, il y a un siège ici, tiens. Je sais pas contre qui il se bat, mais il se bat. Ok, lui, le tour prochain. Oui, ah, j'ai oublié, excuse-moi, ça peut arriver de temps en temps, non? Yes. Déverrou le recrutement. Panthère en scorpion et en tour. Après, ça reste des frondeurs, hein, c'est pas. Donc, je vais lever une flotte du coup. Voir si je peux avoir un candidat, ouais, ouais pas trop choix. Rétablir l'héritage, hop, les Vendouranos. Voilà, je vais adopter direct. Si faire se peut. Ouais, hop, adopter. Voilà. En plus, il a un âge correct. Il peut, je pense, avoir des enfants. À 24 ans, ouais, il devrait. Ouais, lui, il va se déplacer là et on sera bien. Allez. Oui, ça aurait été même plus logique que se passe par là, au final. C'est militaire, oui, tout à fait, pour l'instant. Voilà, petite erreur. Acte de non-agression? Non. Est-ce qu'on dit qu'il raviste? Ok. Ouais, les Suèves vont tomber, hein. Pas qu'ils vont faire long feu. Ouais, un petit passage là, un petit passage bien, bien pourri. Ouais, non, on va prendre la route. Hein. On va pas se faire de mal non plus. Voilà. Parfait. Oh, c'est cher, dis donc! Oh, l'exerce d'assaut tous les Hofoloi. Il est cher! Voilà. Ça marche très très bien. Il n'y a pas besoin de se prendre le chou. C'est efficace. Ah, Apulien, les Apuliens. C'est qui ça? Est-ce que j'ai un traité avec eux? Non. Et bah, je vais aller les prendre. Je sais pas qui c'est. Ils viennent d'arriver, je sais pas. Voilà, une petite embuscade. C'est une cité, ils ont pas de traité. En plus, leur cité est en
piteux état, si je puis dire. Pas de suite. Non. T'es allié avec mon ennemi, déconne pas. Hein. Non, tu vois pas, faut arrêter là. Voilà. En tous les cas, on est prêt pour les guerres qui se mènent, qui se préparent. Enfin, prêt. Voilà. Alors donc, à l'épisode prochain, enfin dans l'épisode prochain, on attaquera Zarmi Zegetusa, très certainement Kasurgis et Istros. J'espère que cet épisode vous aura plu. Un peu de construction, pas beaucoup d'action, mais beaucoup de préparation. Ça finit sur ce sur. Allez, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. C'était Chob. Ciao, merci d'avoir suivi.